paramilitaires qui attaquer la population, qui attaquer l'État même et dans sa liée. Donc je vais vous dire, police, c'est seul lui-même qui l'a pour faire face à la situation. Donc les sécurités, on en a, les sécurités en Haïti, on en a juste beaucoup. Les sécurités, il est juste dans le coup nous là, mm-hmm. Il a tout fait nous aujourd'hui. Hein, et il faut que nous regardions pour nous qui sont les irresponsables. Mm-hmm. Les irresponsables. Avant que nous allions chercher les responsables, et parce que moi, en pile, nous fait, par exemple, Premier ministre Lanfel et directeur général de la police Lanfel, la chercher des responsables, pour dire, mais qui est-ce qui fait ça, qui était fait là, mais qu'on y a un gars qui est-ce qui est irresponsable. Et ce sont les irresponsables que moi, je cherche. Parce que irresponsable qui quittait à sa haine ou criminel au parti, et joue ça, côté massacre ça fait, dans ma 32 Crissois, dans ma 43, mais on qui est-ce, Yorie, Jounet Jodia, qu'est-ce qui était une responsabilité pour protéger et servir la population. Alors, on parle des irresponsables, évidemment, il y a un cas peut-être pas reprochable. Il y a un cas peut-être pas reprochable, mais on va reprocher les irresponsables, mais il y a eu des irresponsables, et il faut chercher les irresponsables avant d'aller chercher les responsables. Mm-hmm. Parce qu'un groupe de monde arrivé, soit à moto, bien en voiture, marron côté, comme à OTE, il a tiré son paquet innocent. Et comment vous faites quitter l'espace? Ça me parcourt que vous dormez dans l'espace où vous faites crime là. Mm-hmm. Comment vous faites partie? Et comment vous faites en sauver pour lui? Donc, nous, à ce sujet, je vous dis, qui est-ce? Alors, ça me fait remarquer, et mettre l'excédent, c'est que, bon sous-commissariat qui est très proche de scène crime là. Mm-hmm. C'est le sous-commissariat de Canapé Vert. Il est situé à 1,7 ou bien 1,9 km de côté par la base. C'est-à-dire que si les policiers ont une machine, ou peut-être si ont une machine, on est parce que toujours un petit problème, ça, c'est que tu as privé en 5 minutes. En 5 minutes, on ne va pas dire que tu as bien tout le monde qui va mourir. Non, on va dire ça. Peut-être que mon Dieu va mourir, mais comment faire arriver sauvé? C'est ça qui problème là. Mm-hmm. Donc moi même pensé que si t'es gagné, et parce que d'après ça me tendait dans la presse, c'est que moi ça t'es venu pour faire zack ça, il est pas venu avec 38, il est pas venu avec 9 mm, il est venu avec zam mensong. Mm-hmm. L'impossible pour commissariat Canapé Vert là tendait détonation. Même pas là avec des experts et des de monde qui connaissent les armes, il a dit moi ça que l'impossible bien entendu que policier sous commissariat Canapé Vert là pas tendait détonation. Pour diverses raisons, évidemment. Mm-hmm. Et gain, par exemple, la direction du vent. Hein, la direction du vent, et côté vent a soufflé. Est-ce que ça vent a soufflé, peut-être décapoté, bruyant, aller en l'autre côté que les policiers sous-commissariat Canapé Vert pas attendu. Et même si on t'attendait, par exemple, bon, l'autre policier qui racontait, et un policier, qui est dans l'USGPN ou bien qui était dans l'USGPN, qui dit, par exemple, même on 9 mm. S'il tirait, il y a possibilité pour sous-commissariat Canapé Vert d'attendre, mais il ne doit pas identifier qui côté que lié. Mm-hmm. Donc là, et nous sommes capables de comprendre ça. Mais bon, l'autre paramètre encore, c'est que monsieur est venu pour faire ça, c'est qu'il n'a pas tiré en l'air. Mm-hmm. C'est sous le monde même qu'il a tiré. Donc c'est possible que Bruyant n'a pas attendu, Jean n'a pas supposé attendre parce que l'a tiré en l'air avec l'a tiré sous le monde. Donc Bruyant il n'est pas même Jean. Donc ça, c'est possible pour ne pas attendre. Et puis, et côté là, la passée, il y a Delma 32, Gomba, c'est-à-dire c'est comme si c'est une cuvette que lié. Ça qui arrivait que côté commissaire, ce commissariat à la PVLA, il n'y a pas attendu. Donc ça, c'est première considération que moi-même, je vais regarder l'événement ça, je vais suivre l'événement, moi fait. Donc, les policiers qui sont sous commissariat à Canapé Vert, il est possible qu'ils soient capables d'intervenir, mais est-ce qu'ils ont tant de détonations? Et si ils ont tant de détonations, est-ce qu'ils ont une capacité tout pour identifier qui bon et ils ont tiré comme ça? En deuxième lieu, des soucis bien côté de l'arrivée de Delma 32, par exemple. Moi-même, par contre, m'habitue, ouais, y a un point fixe de 21 H, là. C'est un point fixe qui existait presque en permanence. Donc, l'ordi est de 21 H, là. C'est-à-dire que c'est tout près de Delma 32, c'est en face de Delma 32, côté scène de panique, là, hier. Donc, ça, pas grand, aucun doute sur ça. Et les policiers ont tendé détonation. Mais les policiers ont souvent formation quand même. Un point fixe, c'est un point fixe. L'on a un point fixe, on n'a pas qu'à quitter point fixe là sans autorisation.
Ça, c'est ça, moi-même, m'apprenne que les policiers apprennent les formés dans l'académie. De bon, non, point fixe, ou pas qu'à quitter point fixe là, même si il y a des gens qui mourent dans l'entourage, ou pas qu'à quitter point fixe là, même si, ou t'attends des bruits, ou t'attends des bons problèmes. Par exemple, si il y a des bagages qui ont fait en dedans de la 32, il y a des gens qui ont rentré, qui possiblement attendent des bruits ballants, qui ont couru sorti dehors encore. Mm-hmm. Ainsi, ils ont sorti dehors, ils ont paniqué. Donc, oui. Quand même, il y a sollicité l'aide de la police. Premièrement, ce soir-là, et même s'il était 11h30 ou bien minuit, possiblement, il y a un monde qui t'a couru sorti, qui t'a pensé qu'il t'a des bribales, et puis qui a sorti, qui possiblement sollicité l'aide de la police. Est-ce que policier ça, est-ce que point fixe ça t'es là? Ça, c'est des questions qu'on a posées. Est-ce que point fixe ça t'es là? Et comment policier t'es réagissent? C'est vrai que policier pas capable de déplacer dans le point fixe là, mais faut nous noter tout, mettre l'excédent, policier t'es capable. Et lançons alerte, lançons alerte. T'es capable de lançons alerte. Même si on va quitter le point fixe, on va lançons alerte. Soit pour demander autorisation, intervenir, ou bien qui ça peut faire, puis on voit backup, plus backup, etc., pour intervenir. Parce que c'est pas question que pile mouille ou mouille, mais comment, à ça, comment criminel, fait guettant sauver. Mm-hmm. Dans le temps normal, mais t'es sûr, faut comprendre ça bien. Policiers, on a connu, évidemment, sous territoire, là, par aucun autre groupe qui t'a supposé, pas supposé aucun groupe armé dans le pays. Seul qui est capable de tirer, c'est la police. Mm-hmm. Mais la police n'a rien pour intervenir dans le pays et c'est ça qui est là côté de la prolifération de bandes armées. C'est ça seulement tout côté passé aux jeunes des bandes armées, aux jeunes des gangs armés. Donc la police, qu'on est premier devoir, c'est protéger tête avant de protéger la population. Parce que les valeurs ne sont pas existées, comment faire protéger des tout. Mm-hmm. Et c'est exactement ça qui est. Peut-être que police, moi, dit peut-être, parce que pas trop, joue soit ça à 11h30 minuit, si point fixe, t'es là devant TNH. Là. Et puis, si il y a un affrontement entre gangs armés, est-ce que la police, quand même, va le poter tête aller pour y aller mourir? Donc, de toute manière, les policiers, pas capables d'aventurer tête, même si ils étaient là, sans qu'ils n'ont pas joint une autorisation. Mais bon, l'autre paramètre, je vais juste dire à tout le monde, mais l'excédent, bon téléphone intelligent dans le vélo. Attends, on pensait que, bon, bah, comme ça, cap fait Delma 32, quand il y a des mondes qui entrent, cap tirer sur tout le monde qui est rejoint dans la rue, et puis pas bon monde dans Kaili, pendant l'an dans Kaili, et puis cap voyer des messages, m'a dit des messages à la PNH, peut-être que des mondes qui connectent, qui font, mais cap voyer des messages dans des groupes, parce qu'il y a des policiers qui sont dans le groupe, directeur général PNH, là, et même Kaili, il y a un numéro dans certains groupes. Donc, pas aucun monde qui dévoyait des messages sous groupe, des messages, peut-être demander secours dans le groupe. Donc, pour qui ça pas gagné, il y a une intervention qui a été faite, pour qui ça pas de bon bagage qui a été fait, parce que de toute manière, ce soir même, m'a demandé est-ce que la police est au courant de ça qui fait là. Comment pour nous noter tout, M. Excédent? C'est que le quartier de Delma 32, même si autant de tout le pays a explosé, bah, ça en pile des autres, Delma 32 sont côté, alors de Delma 32, son côté qui est relativement stable. On doit passer dans Delma 32, on doit vivre Delma 32, c'est son côté comme un massacre comme ça. Donc, la police nationale, j'aime toujours dire, elle a une fonction préventive. En aucun cas, il n'y a pas de prévoir, tu as bien un bagage comme ça. Donc, si tu as prévoir un bagage comme ça, je pense que tu as bien un backup, tu as bon poste, tu as bon patrouille quelconque, et au niveau de Delma 32, pour empêcher. Et pour dissuader bandits, pour dissuader criminels. Mais on n'a pas de gagner, donc on espère que la prochaine fois, la police nationale d'Haïti tâchera de remplir sa mission de prévention pour éviter le malheur qui désormais s'annonce, parce qu'il y a un pile malheur qui est annoncé, je me dis, et sous Delma 32. Et puis, bon, l'autre bagaille qui est extrêmement important, et M. Excédent, je me dis, il faut que nous arrivions réorienter patrouillon pour faciliter en plus grande communication entre la police et le public. Ça, faut que nous devions faire. Faut que nous renforcer police de proximité, hein, et fonctionner, c'est à plutôt faire d'un espace public, d'un espace utile pour monde capable, pour monde qui habite là-dedans, c'est-à-dire maçon, avocat, ingénieur, même pour monde qui a passé. C'est ça, faut que nous devions à renforcer police de proximité, hein. Parce que ça arrive à la moindre qui arrive n'importe côté, quel que soit bandit qui est entré dans une zone à tirer, même si la police est à proximité, il n'y a pas qu'à intervenir. Mais là, qui situation nous est, c'est ça qui fait un petit texte, l'insécurité en Haïti, on en a jusqu'au cou, et là, tout fait nous.
Monsieur d'Haïti, et alors on parle de rôle de prévention de la PNH qui t'a supposé prochainement appliquer ou du moins et utiliser pour permettre que les gens d'action ça va pas répéter, mais il y a un PNH qui sans un service d'intelligence qui a marché et un service d'intelligence j'en l'ai dit à travers le monde, est-ce que nous avons et espérer que nous gagnions prévention et bon côté PNH là. Moi, je ne vais pas arriver jusque-là pour me dire, parce qu'en institution, est une institution. Moi-même, je dis ça, les responsables de ce pays, même si on montre que tu es irresponsable, ce sont des responsables. Il y a une information. Vous qui pour, il y a une information, la police rend, il y a une pile d'informations. Attends, bon, je dis à 11h30, va les policiers qui, Delma 32, par contre, il y a un policier victime. Son seul, son, ses frères, un seul policier qui était sur le travail, nous croyons, côté Delma, en face de CNH, là, pendant la preuve qu'elle prend balle. Pas même bon grain de policiers victimes de la 32 frères. Il y a information, ça pour dire que par des policiers en dedans qui prennent l'ombre pour ça d'avoir le fait. Donc ça passe, ça passe, ça fait d'après vous, pas gagner et mesure pour empêcher ça arriver. Mais dans ce pays, on se tait. Dans ce pays, on se tait. Pas de rien qui dit que PNH n'est pas au courant de ça qui va arriver en frère. Capable de gagner ou non, capable de gagner de petits bruits. Je vais faire des bonnes choses. Moi-même, c'est ça qui est important pour moi. C'est grave, les irresponsables. Oui. C'est les irresponsables. Il y a des séries de monde combat qui fait et pour qu'ils savent pas gagner des dispositions. Parce que c'est ça l'idée. C'est communication qui gagne entre population et police. Là. Faut nous dire en police de proximité. Ah, les dignes là sont agent 2, agent 4. Et puis, les populations, ouais, il y a les commandants. Quand ils avaient dit les Haïtiens au commandant, l'aller le commandant le peur, et ça veut dire. L'aller le commandant le peur, frère. Et ça. Nous venons au niveau tout. Nous venons au niveau tout et l'on parle les nègres, l'on voit les nègres parler le commandant, les sentiments l'ont dit diminué. Oui, l'on parle le commandant. Diminué. Eh bien, sentiments diminué. Bon commandant, bon commandant est là. On y est là. Il y a plus passé 20 monde qui mourent pour le commandant des. Pour le commandant Yoté, je vais te dire, il faut gagner une plus grande communication entre la police et la population pour travailler en fait. Parce que c'est extrêmement difficile. On a des groupes paramilitaires, des groupes extrêmement bons dans les amis, des groupes vraiment organisés et organisés. Et on est bien équipé tout. Et on est bien équipé, donc il ne faut pas jouer. Donc il faut nous compter, et ça fait des biens et mains en déclaration, et le directeur général PNH a fait à Léon Charles, pour qu'il ait demandé pour la population intervenir. Mais il faut que le directeur général PNH en tout, et faciliter coopération, collaboration et communication entre le public là et la PNH. Il faut le faire, il faut mettre dispositif ou ça, un mécanisme en place pour ça, pour communication et pour faciliter communication entre la population et la PNH, parce que bagaille est extrêmement raide. Quand on est dans la radio là, on groupe intervenir, même s'ils ont patrouille, même s'ils ont backup, la police sous la radio va intervenir. Parce que son point fixe, un point fixe, c'est un point fixe. On pas quitter point fixe sans autorisation. Donc, n'importe qui bagaille qui arrive, n'importe qui lève. En tout cas, dans tout pays, et Robinson, par exemple, ça a passé là, alors, dans le pays d'Haïti, et côté insécurité, côté gang armé, yo a multiplié et a montré de plus en plus fort. D'ailleurs, yo et mettez-yo en association, yo montrez-yo puissant, yo fait des déclarations, yo manifesté à exam, yo fait tout ça au vle et yo mande révocation, yo jwenni, yo mande nomination, yo jwenni. Et comment capable de sortir dans sa ni là, Robinson d'Haïti? Mon cher, moi, je pense que je n'ai pas sorti un jour, mais comment je sorti marron? Peut-être qu'il faut nous arriver côté de la trop pour nous et puis un éclatement social, côté un soulèvement populaire frère, pour nous renverser la vapeur. Parce que je dis, un bagala extrêmement grave. Je ne sais pas pour qui ça, on monte la carrière. Et je ne sais pas pour qui ça, on monte la rue et tout. Mais c'est ça le problème. Donc, vivre en Haïti est difficile. Pas même difficile, mais vivre en Haïti est impossible, je veux dire. Moi, je dis comment on fait vivre là, dans le pays, ça. Parce que n'importe bagaille qui a arrivé, tout le monde a des armes, tout le monde a jamais ouvré. Et moi-même, je me fais appel et à mon qui est responsable, il y a un pile, j'aime dire. Et faut au moins, il fait usage de forces armées d'Haïti. Je pense que ce sont des militaires et nous, nos situations, et c'est des groupes
paramilitaires qui a agi, qui a créé des ordres de l'étudiant, fuck militaire, qui grand nous gagne, même si on n'est pas capable de faire exactement ça, on apprend nous faire et dans FADH. Donc c'est extrêmement important, faut que aller vers une solution. Et puis il y a trop d'iniquité économique, disparité sociale dans le pays, il y a trop de problèmes dans le pays qui prêtent le flanc et à cette criminalité organisée. Même par exemple, et pendant la semaine qui passait, là, on a parlé de l'élite économique. Dans les pays sérieux, frère, les gains, par exemple, ils ont homme d'affaires qui a financé ou peut-être qui a sponsorisé un groupe de gangs. Ils ne peuvent pas faire le tout en temps. Moi, j'ai essayé des hommes d'affaires, je l'ai dit, hein, qui prend des chefs de gang comme des clients. C'est pas possible. À partir du moment où, dans les pays, à partir du moment où un homme d'affaires, bah, un chef de gang comme, ou bien un gang comme frère, c'est pas une première fois, deuxième fois, troisième fois, la péliminé quand même. Il parle comme blanc, c'est juste pour bien contrôler. Parce que lui-même, faut qu'il vive, faut que le business y en prospérer. Mais je vais dire, mais il prend ça pour habitude. Mais ouais, pardon. En clientèle de gang armée pour soi-disant protéger tête. Yo. Pardon, Vincent, tout ça là, Robinson, et gon série de. Des cas de PME, on sait des petits business là qui a fermé. Qui a fermé pour qui ça? C'est parce que il y a des gens qui ont rançonné toute la sainte journée, mandé au COB, bay aux pressions, bay moun et mettre business la pression, ou bien employé qui n'a business, on sait des petits pharmacies, et petits business, n'importe ça lié, n'est-ce pas paraître, il y a une bonne pression, sous pas payer ou pas arrêter. Donc, il y a des gens, nous connaissons, qui ont fermé business parce que pas capable bay tête yo sécurité, pas gagner structure, pas gagner moyen pour yo bay tête yo sécurité, yo obligé fermer. Oui, ils ont obligé de faire même parce que de toute manière, les chefs de gang ne disent que ça. C'est rançonner après rançonner le monde, passer la business, prendre corps et demander qu'ils aient payé eux-mêmes. Ils ont dit qu'ils viennent toucher et chaque mois ou bien chaque semaine, chaque samedi. Mais bah, ça fait tant pis pour eux. Oui, on un chef d'entreprise qui demandait avec un autre monde pour le filer en enveloppe dans un petit trou dans un chef de gang. Qu'est-ce que cela veut dire, mes amis? C'était dans ces conditions ça pour nous l'été. Et là, où est-ce que ça crivé dès le 32 ans? Faut que nous clés sur ça. Dans pile innocent, dans pile monde qui mourit là, je ne veux dire pas yo, t'as saché. Même temps, dans pile déclarations qui faites, dans pile accusations qui faites, notamment RNDDH, et qui sortit la police, qui dit tel bagay, tant que monsieur a. Et on m'a parlé de premier ministre par exemple Claude Joseph par exemple qui est en ouais qui est qui est responsable, mais moi-même le DG de la PNH également, le DG de la PNH aussi, hein. Donc il y a ça chez les responsables, alors que eux-mêmes ils sont des irresponsables. En tout cas, et une question nèg k ap bay moun pression papi ta ke matin, hein, gon zanmi k ap raconte m ki gon restaurant dans zone, mais chef zone nan exige l pour restaurant rete, faut d'abord chaque jour li voye deux plats bali, mais tout faut li paye l chaque mois. Donc, imaginez-vous, deux plats mangés pendant un mois, il fait deux par 30, là, il va 60, c'est ça? Deux plats chaque jour. 30 jours. Deux plats chaque jour. Donc, imaginez-vous, si mon a fait manger chaque jour, et l'obligé de retirer 60 plats dans le commerce, là, en plus, chaque mois, il faut qu'il baille une enveloppe. Pour le capable de rester dans la zone. Sans oublier bill que le gars pour payer. Un gars même qui a une pharmacie là, sous Bois-Vena, dans le tout le monde là. Il y a des bandits, il y a des gens qui viennent faire aux menaces toute la sainte journée, demander l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, il y a fait ceci, il y a fait cela. Donc, c'est dans ça, nous, la côté pays, hein, déjà, pas de travail, mais les gens, des citoyens qui essayent. Ouvrir des petits business pour essayer, premièrement, chercher la vie, mais tout, bah, l'autre zami travaille. Mais c'est à cause que nous, nos situations de, bah, qu'on est, voilà, pas de monde qui gagne responsabilité, vrai.
responsabilité yo existe seulement sous papier mais pas gen moun ki assume yo et puis vinn grande que moun sa yo obligé à fermer business yo pour finir Robert et alors monsieur d'Haïti et non intervention du moins non utilisation de la FADH par les autorités pour ta essayer et réguler ce qu'a fait là question gang armé yo est-ce qu'elle pas dû à et question internationale là notamment les États-Unis d'Amérique qui pas montrer le favorable à la mise sur pied ou du moins à la remobilisation de FADH. Bon, et, il y a ça aussi, il y a peut-être l'international. Comme si vous perdez conséquences. Ouais, justement, mm-hmm. il y a peut-être ça. Moi, je voulais mesurer ça, m'a dit, il y a peut-être ça, parce que quand même, on va dépendre vraiment de tête, nous. Mm-hmm. Et ça, on toujours dit à son souveraineté surveillée. Mm-hmm. Donc, c'est possible qu'il n'y ait pas fait usage de FADH, parce que l'international ne le veut pas encore. C'est possible. Mais de toute manière, nous-mêmes, nous avons une responsabilité, pas nous. Parce que moi-même, nous avons fait un éditorial dernièrement, au côté, nous avons dit, si nous ne voulons pas construire l'école, nous ne voulons pas construire l'hôpital, on nous construit prison, parce que prison, on a bien besoin quand même. Parce que ouais, tout ça qu'a fait là, il n'y a pas question de l'international ou pas. C'est que chaque grain de monde qui a dirigé le pays, ça la frame, il y a une responsabilité li, pour avoir été irresponsable. Ouais, bonjour, qu'a privé frame. Nous avons demandé compte frame. Bonjour, nous avons demandé qui ça, qui était faite à l'argent nous, parce que nous payons taxes quand même. Mm-hmm. Hein? Qu'est-ce que nous allons nous faire? C'est-à-dire, mm-hmm. nous vivons dans le pays, hein? Nous payons taxes, nous payons tout le bagage nous avons payé. Et ce tout ça, l'État va nous faire, nous faire. Nous faire. Et il se trouve qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment contrôlé, qui n'ont pas qui travaille ou qui n'ont plus fait, et la population lui-même, la victime. Moi, je dis vraiment bonjour, nous demandons des comptes. Et nous avons demandé des comptes, vraiment. À travers un soulèvement populaire, on parle des soukailles, et d'essayer de ne pas annoncer des soukailles, il n'y a pas qu'à faire des soukailles, il n'y a pas qu'à faire des soukailles. Non, on parle d'un soulèvement populaire, j'en vois ça. Et entre guillemets, il réalisé 6-7 juillet, parce que le peuple s'est campé. Et puis là, il dit, finalement, qu'avez-vous fait? Mm-hmm. Et puis, il y a passé, en fait, il y a un bon procès, et au terme du jugement, il y aura la prison, frère. Qu'on l'a demandé de compte. Est-ce que son affaire internationale, son question de, je ne dis rien, il y a des irresponsables, et irresponsables, ça, il faut nous pointer au du droit, bon, bah, qui est passé là, là. Delma 32, beaucoup besoin de qui est-ce qu'il fait, parce que la justice fait travail, il faut la justice, à sachez qu'on est qui ça. Qui ça qui t'est arrivé et qui est-ce qui t'est fait? La justice va le faire. Nous mettons posé, nous pas besoin de premier ministre, nous pas besoin de directeur général PNH, je viens de dire qui est-ce qui t'est fait. Nous pas besoin de ça. En vrai, la justice qui a fait travailler, même si c'est sous 5 ans, 10 ans, la fait. Mais maintenant, les gars entrent en côté, les gars font tout ça, ils sont sortis tranquillement et avec des armes et bah, mensonges, d'après ça, c'est des armes mensonges qui ont été, ils allaient tranquillement, la caillou, bien entrer dans la base. Comment faire, il n'y a pas capturé, même au gré, il n'y a pas capturé. Quand il y a là, dit, nous avons dit, un tel est responsable, mais est même ou irresponsable. Merci un peu, Robinson d'Haïti, pour l'éditorial. Merci infiniment, M. Exidor. À demain matin, débat. Voilà, et c'était Monsieur Robinson d'Haïti. Éditorialiste nous dans émission Matin Débat n'a rappelé que monsieur David d'Haïti il est disponible dans numéro ça qui c'est 31 et 55 43 25 ou capable reler et continuer faire débat avec lui et l'éditorial de Matin Débat c'est la pensée même de l'émission ou capable reler continuer faire débat avec lui sous numéro ça non saute ba ou là 31 55 43 25 pour capable et rester connecté avec ça qui dit dans éditorial là. Bonjour Esaü César, comment nous est? Bonjour José Alexidor. Bonjour, Père à tous. Bonjour, auditeurs, auditrices de Radio Télé Éclair. Bonjour à chaque grand ami qui branche l'émission Matin Débat matin. Là. Et nous saluons tous les amis de l'équipe Speak Your Mind. Philippe Moussignac, Don Berto, et puis dans Washington, Jean-Junior Morissette, Stéphano Dubic, et puis qui branche nous là. Nous saluons tout le monde Canada, et Harold Tunier, et Junior, et puis vraiment toute équipe là. Ernst André, depuis Canada, tout le monde Canada, tout le monde qui compte. Connectez-nous. N'a pas salué exactement
Patrouko, avec toute madame Nick qui est dans Meli Melo, resto, dans Long Island. Nous saluons la famille Beaubois qui est dans Long Island. Nous saluons Roland Samedi hein, qui est dans New York City. Nous saluons Maxime dans New Jersey. Nous saluons Pils Ami, madame Ketli Plantin qui est dans New York City. Et madame Ketli Louis et madame Ronid Caillot, hein, qui c'est fanatique malade matin débat. Nous saluons toutes grandes amies, auditeurs, auditrices qui branchent l'émission Greg, commandant Greg, hein, dans 95. Et nous saluons inspecteur Lafont, et au niveau directionnel de la police nationale, au niveau de la DCA. Et nous saluons délégué départemental l'Ouest, monsieur Bernadotte. Hein, nous saluons chaque grande amie, ça eux-mêmes. Et Mackenzie Darius, commandant Mackenzie Darius, hein, qui t'a supposé monter commissaire de police. Ok, monsieur t'a supposé commissaire de police dans le jour qui a venu là. Et nous saluons chaque grand ami, Chiwing, nous saluons Chiwing, et qui a coûté émission à toute Maril, hein, qui a coûté émission à toute Marily, dans l'état de la Floride, et toutes les amis, auditeurs, auditrices de Radio Télé Éclair, et qui toujours prend le soin. Et pour écouter émission matin débat et tout côté sénateur Lambert et Kedler Augustin qui a fêté anniversaire jeudi là et sénateur Kedler Augustin qui est vice-président Sénat et qui là que relé Tibout Sénat et donc monsieur n'a salué Maître Vertus hein et monsieur Dumas au niveau de New York City sénateur Franky Exius hein, et qui est toujours est branché émission matin débat. En tout cas, en pile information et pendant week-end là et notamment la information sous question premier ministre, information sous question décharge, information et sous question mandat qui mettait des nègres et donc vraiment bah yo en pile pendant week-end. Donc si me comprends là, Reginald Boulos nan couri. Hein? Docteur Reginald Boulos nan couri. Mais maintenant des missions bon courir parce que l'un qu'on est et monde qui mettait monde qui lui même dans mes procédures là, lui connaît exactement qui ça pour le faire. Mm-hmm. C'est là le bas blesse. Les monde qu'on est, leur qu'on est son est comme si qui sont avocats, juristes, qui compte tout donner, qui ça pour le faire. Pour le temps mon procédure et puis là elles font bagarre comme ça, obligé à questionner. Est-ce qu'elle est sérieux? Mm-hmm. Est-ce qu'on comprend? T'as vu un policier par exemple qui connaît que le pari doit arrêter monde. Sans mandat et socialement essayer de flagrer lui. Lui pas le droit arrêter un monde avec mandat, même avec mandat après 6 heures. Donc ça c'est les procédures à suivre. À moins que tu aies flagrer lui. Maintenant, nèg la connaît Reginald Boulos impliqué dans bagaille, tu as implication présumée dans bagaille, lui connaît procédure pour le suivre pour le marrer Reginald Boulos. Maintenant, lui font bagaille, lui voyer mandé bris pour arrêter Boulos. Et la police nationale, dans la formation de la police, il a fait 2 mois, il a fait 16 juridiques pour, il a fait initiation au droit pour. Mm-hmm. Premier, ça a dit au droit que vous n'avez pas le droit d'exécuter un ordre manifestement illégal. Comment un agent bri peut permettre d'arrêter arrêter Reginald Boulos sous base instruction que, ou bien l'ordre que M. ULCCA a passé? Jamais. Ça n'a pas fait. De ça dire que le directeur général de l'ULCC, M. Erre, M. Abad pour Erre, moun, bay moun, mette moun dans situation comme si, pour faire le temps passer. Moi je parle ici. Non, document le mette de yoa, les visés, yon ensemble des documents, est-ce qu'il pas gagné ça, il pas gagné ça comme mission, non? Non, mission qui ça, et mission pour arrêter. D'abord, l'ULCC n'a pas de mission. L'ULCC est pour transférer le dossier par devant le parquet du tribunal civil de Port-au-Prince et parquet. Ok? Donc ça veut dire que s'il tend une procédure pareille, moi-même, Reginald Boulos, je vais même répondre. Parce que la procédure est mal enclenchée. De il est officier à la base. Alors il dit là, vu l'article 2 de alors vu la linéa 2 de l'article 11 du décret du 8 septembre 2004 créant l'ULCC mentionnant sans équivoque ce qui suit. Le directeur général de l'ULCC
est habilité à constater les infractions, constater. Corruption, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et à les déférer à la justice. En cas de besoin, il peut requérir directement rechercher. Le concours de requérir la force le publique. Concours de la force publique. Mais est-ce qu'il passe à l'élément de qui instance qui soutient la police nationale? C'est la justice. Donc, à dire que directeur ULCC n'est pas capable d'aller directement bon côté la police nationale pour arrêter. Suivez bien, dans tout le brique de frères, vous voyez écrit là, ou même si vous allez requérir. Il dit, verbio, c'est constater les infractions de corruption. Deuxièmement, à un, rassembler les preuves, ce que lui probablement gagne. Et alors, il dit tout, à un, rechercher. Les en auteurs, rechercher les si auteurs. Ça va dire dans ça, dans lui, il n'a pas dit en rechercher avec l'aide. En rechercher avec l'aide. En rechercher avec l'aide du parquet. De la justice. Pas ici la justice. Ok? La police travaille pour le compte de la justice. Aucune instance en dans le pays n'a pas arrêté pour lui. Exemple, le Parlement lui fournit un rapport ou bien fait une recommandation. Le Parlement n'a pas arrêté dans lui-même comme institution. Bah, tu comprends quoi, Miano? L'ULCC ne peut pas arrêter. Ne peut pas demander à la police nationale d'arrêter. C'est clair. Only dernier, alors, dernier bagafle. Continue. Par ces motifs, nous, Maître Hans Jacques Ludwig Joseph, directeur général de l'ULCC, agissant en notre qualité d'officier de police judiciaire. Alors, la loi créant l'ULCC, nous t'es songé, ça nous dit loi ça, les garçons, t'es directeur ULCC, on dit, en notre qualité d'officier de police judiciaire et de gendarme anticorruption de la République, requérons la police nationale d'Haïti, notamment la brigade de recherche de CPJ, de rechercher et de conduire en état et sous forte escorte le nommé Pierre Réginald Boulos, identifié, etc. etc., etc. De CPJ, pape, j'aime. Disons qu'on a conséquemment que cet ordre soit publié avec la photographie du public, etc., etc. Bon, on essaie de parler avec un avocat dans ce sens. D'abord, nous gagnons. Et notre Louko Desi National, Louko, comment nous est? Eh bien, bonjour José Lixidor, bonjour Isaïe César, bonjour Bernard à tous. Et nous connaissons que chaque semaine de temps en temps, donc non, en fait, nous, moi, il y a des temps de consultation. Vous savez, il faut qu'on prenne la veille. Il faut parler.